Salut, salut, c'est Letton 59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de notre série sur Hogwarts Legacy sur Xbox. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait beaucoup avancé dans l'histoire du côté de Sebastian et notamment ses relations avec sa famille. On va pouvoir voir la suite tout de suite. Donc après avoir avancé là-dessus, on a encore pas mal de choses à faire. Donc on va regarder au niveau de la carte des quêtes, enfin les quêtes du coup. Alors dans l'ombre de la distance, il est dans la crypte. Alors on va commencer par faire ça. On se rend à la crypte, on se retrouve là-bas. Nous voici dans la crypte. As-tu parlé à mon oncle? J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Anne et de ton oncle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureusement, il ne veut plus que tu viennes à Feldcroft. Ou voir Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne, pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je devrais envoyer le blason à Anne. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien, juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. Qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre? Nous venions de perdre nos parents. Et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon. Nous ne pouvions pas tout emporter. Elle était en train d'organiser ses biens les plus précieux. Des artefacts ayant appartenu à notre famille. Des bijoux, des cartes, des photographies. Et puis, elle est tombée sur son artefact préféré. Un blason fait main. Sans hésiter, elle me l'a tendu. Il te protégera, m'a-t-elle dit. Il n'est pas enchanté, mais depuis, il ne me quitte plus. Il me permettra de joindre Anne. Je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver. Attention, Sébastien. Ton oncle pourrait l'intercepter. Et on sera renvoyé. Hominis nous en veut. Mais il en veut plus à sa famille. Si nous avions besoin de son aide, il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur. J'attendrai de tes nouvelles, alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Je t'enverrai un hibou dès que j'en saurai plus. Donc bon, c'était pour dire de lancer un petit peu la quête, mais il n'y a rien de plus à faire pour le moment. Donc on va retourner, non pas sur la carte comme je viens de cliquer, mais dans les quêtes. Et on en a de moins en moins. On a réussi à diminuer un petit peu. Alors la priorité, c'est de retrouver encore une fois Sébastien, mais cette fois-ci à la mine. Et pour ça, il faut lancer quelle quête hein, par la Poppy, par la Nati. Bah, c'est celle-là en fait, tout simplement. Dans l'ombre de la mine. Bah oui, j'aurais dû regarder le titre. Ça a donné quand même pas mal d'indications. Alors, du coup, carte du monde. Tout là-bas. Ah ouais, c'est pas la porte à côté. Et ça, c'est le plus proche qu'on est. Et voilà, on y est. Enfin, on n'est pas très loin, du moins. Mais le problème, c'est qu'ici, on peut pas utiliser notre balai, je pense. Ah, si, on peut. Bon, bah, ça fera gagner un petit peu de temps. Oups. Bon, je vais devoir l'attendre. Je devrais descendre ici. Ah bah, je savais bien que mon hibou piquerait ta curiosité. J'ai fait aussi vite que possible. J'étais si préoccupé par tout ce qui s'est passé avec Hominis dans les catacombes, sans parler de la réaction de mon oncle, que j'en avais presque oublié ce qui m'avait frappé au sujet du triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile, enfin, ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit. Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs, et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrok.
Tu penses qu'il y a un lien avec le triptyque ? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation ? Ah là là, est-ce qu'on fait en sorte de pas se repérer ? On va essayer, mais on va pas y arriver comme d'habitude. Mais sans attirer leur attention. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Après toi. Alors, on va se mettre en mode incognito. Et pour ça, il faut que je me souvienne des touches. Non, c'est pas là du tout. C'est là. On ne doit pas nous repérer. Bon, du coup, on a un petit chemin en surbrillance, comme j'ai mis ce clic. On peut l'enlever ? Non, on peut pas l'enlever. Ils sont là, droit devant. Vas-y, je te suis. Sans se faire repérer. Et ben on va faire du mieux qu'on peut. Personne ne doit entrer dans cette mine. Tuez tout ce qui essaie de passer. Les fidèles de Ranrock sont prêts à en découdre. Je mérite mieux que la corvée de guet. Et mince. Et bah comme d'habitude, j'y arrive pas. Ah oui, c'est vrai que on peut faire des roulades à la place. C'est quoi le bouton ? C'est le bouton à droite. Ok. Bug, mais en ma faveur, donc je vais pas me plaindre. Mais il est fou, lui. Il s'arrête jamais. Lui, au moins, il nous embêtera plus pour le moment, j'en peux rien. Voilà, il n'y en a plus. Toujours aussi galère. Je sais pas pourquoi, même la caméra, j'arrive plus à correctement la tourner. Ah, c'est vrai qu'il y a Révélio aussi. C'est pratique, ça. Bon, ça, c'est des trucs pas importants qu'on voyait. Comme ça, on a même les petits coffres facilement, maintenant qu'on les a tous eus. Il doit y en avoir d'autres de toute façon. On se débrouille plutôt bien. On forme une bonne équipe. C'est rien de le dire. Pas un bruit. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. Tu sais ce que je choisirai. Je ne vois pas. Je pense qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise. Avec des gens qui travaillent pour moi. J'ai l'impression de faire ça depuis des heures.
Et mince. Je n'appellerais pas ça une fête. Réveillon. C'est vrai. C'était relativement amusant. Je me dois de te dire que cette mine a été fermée il y a longtemps, à cause d'une infestation d'araignées. Charmant. Ça ne me changera pas tellement. Voilà, il faut rester positif. Alors, je progresse pense rapidement. Qu'il devrait y avoir un truc intéressant ici. Revelio. Vu la difficulté d'accès, mais... peut-être pas du tout. Non, en fait, ça ramène vers ici. Ça fait juste un petit tour pour rien. Allez, hop. On entre dans la fameuse mine. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Ouais, ils sont deux au même endroit, faut que je me dépêche. Voilà. J'aime bien quand c'est comme ça, cette c'est facile. Cette mine ressemble à un tombeau. Elle a été fermée après plusieurs accidents. Je comprends pourquoi maintenant. Protego ! Je ne vois pas de gobelins dans ces toiles. Ils sont trop dégoûtants, même pour les araignées. Ah bah alors là... Ah, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Qu'y a-t-il ici ? Beaucoup trop. Ils doivent être persuadés que ce qu'ils veulent se trouve ici. Ouh, c'est tendu. Alors. Incendio. Revelio. Le bord est vraiment haut. Tu as une idée ? Incendio. Ça c'est juste du décor.
Revelio. Action. Wingardium Leviosa. Ouf. Les petits bugs comme ça quand je fais n'importe quoi avec les boutons. C'était sûr. Un petit trésor. Je ne dis jamais non à un petit trésor. Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs pattes poilues, ou de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualités attachantes. Revelio. Bon, vaut mieux faire le tour par là où on est censé passer. Plutôt que de tomber de trop haut, on va passer par là. Hein. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. En tout cas, c'est vraiment magnifique à chaque fois. Hein. Revelio. Ce jeu, il est vraiment surprenant. Puis il est vraiment très riche. Hein. Franchement, on peut en faire un bon petit let's play là. Incendio. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Mais j'ai allumé un feu. Les jours meilleurs. Réparo, je suppose. Réparo. Protego. Ouais, mais... Ah, par là. Incendio. Pour l'instant, tout va bien, on progresse tranquillement. Oh. C'est fou. Elle est nulle cette araignée. Ah, il y en a d'autres, ok. Ah, il l'avait brûlé, d'accord. Okay. En tout cas, eux, ils ont pas survécu aux araignées. Ah, j'ai pas le temps de les rattraper. Incendio. On les a éliminés rapidement. Le professeur Ekat serait fier de nous. C'est vrai. Les fidèles de Ranrok ont pour ainsi dire déclaré la guerre. Oh. Ah ah. J'avais oublié. Incendio. Oh, un coffre géant. C'est toujours intéressant les coffres géants. Alors, il reste ici. Aussi où il y a un coffre apparemment. Voilà. Faut toujours aller d'abord aux endroits où il n'y a pas le marqueur. Parce qu'au moins c'est... Incendio.
des valeurs sûres. J'aurais juste pu passer à côté. Ah non, c'est un autre endroit. Alors là, par contre, il y aura une giga araignée là. Comme on en a déjà battu. Bon, là, c'est des plus petites. Oh, 70 araignées vaincues. On a réussi un nouveau défi. Toujours aucun symbole runique en vue. Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Ça tombe plutôt mal. Un nouveau combat nous attend. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Bah ouais, mais là ils ont mis une pente exprès pour que je puisse pas arriver en douce. Je meurs de faim. Ah si je peux. Non, je peux pas. Il y a quelqu'un qui aime souffrir. Ah là là. Protégo. Aïe aïe aïe. C'est n'importe quoi. Ah non, c'est le one. J'ai l'impression que tu ne fais même pas du tout. Allez, toi, au revoir. Bon, c'est bien, on est chacun contre notre ennemi. Ah là là. Oh, j'avais oublié ce truc là. Oh, mais c'est pas sur lui que je voulais tirer. Oh là là. Ah, super. Et voilà. Enfin, je ne comprends pas pourquoi la bravoure des Gryffondors est encensée à ce point. Nous autres Serpentards en avons à revendre. Et on fait de bien meilleurs adversaires. Comment ça critique les Gryffondors, mais gratuitement? Allez, nous on récupère un petit peu de loot pendant que c'est encore possible. Confringo. Oups.
Incendio. D'accord, je crois que c'était un coffre. En fait, c'est une malle. Oh là. Pourquoi il y a des explosions là? Revelio. Oh, il y a des choses activées là-haut. Il y en a là aussi, mais il faut d'abord brûler. Incendio. Le tout. Il faut faire celle là-haut aussi en même temps. Donc on va aller s'en occuper. Pour ça, il faut qu'on prenne la caisse que on a trouvée. Les fidèles de Ranrock n'auraient jamais pensé à chercher ça. Incendio. Ce temps qu'il se termine. J'imagine qu'on va tomber sur d'autres symboles runiques. Je ne m'attendais pas à ça. Ça s'est ouvert, ça a un peu bugué, mais ça s'est ouvert. Et tout qui s'écroule à chaque fois, on sait jamais pourquoi. Alors, le monde m'est revenu troublé comme si je me trouvais en plein brouillard. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que j'ai perdu connaissance? Je ne me souviens que de ses yeux. Vide, vide de sa tristesse, oui, mais aussi. Je me rappelle aussi avoir ressenti une certaine euphorie en regardant la douleur s'évanouir. Mais ensuite, le monde a commencé à tourner. En tombant, j'ai dû me cogner la tête. Je ne vois ni ne sens aucune marque, mais la douleur est vive. J'espère juste qu'il ne s'agit pas de la peste noire. Au moins, il ne souffre plus. Qu'est-ce que c'est ? Un extrait du journal d'Isidora. Espérons qu'il nous aidera à éclaircir ce mystère. Revelio. Sébastien, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Oh. Alors là, ça va être pas un miroir magique, mais bon, le balai, tu me saoules. Hop. Il est totalement buggé, ce balai. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je vois sur la carte, là, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout exploré. Alors, c'est peut-être au-dessus. Mais il y a un endroit, c'est clair, qu'on n'a pas exploré. Bon, je sais pas où c'est. Parce qu'ici on n'a rien à faire, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, tant pis, au pire je reviendrai plus tard, mais. Et là c'est là où on a glissé pour arriver, ok. Non, bah je vois pas d'autre. Issue. C'est bizarre, hein, parce qu'on dirait vraiment que c'est là. Allez voir Sébastien. Ah, il faut lui parler ici. Si le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir, à part toi? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rackham? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange, mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner à Poudlard.
À moins qu'on trouve un autre passage qui mène à la crypte. Regardons un peu par ici. Oui, ici. Je l'avais déjà vu. Et ça mène direct à la crypte. Ça, c'est pas mal qu'ils ont fait des fois des petits raccourcis comme ça, en mode waouh, c'est la magie noire. C'est pratique. Ça doit convenir. Ah, ce fameux portrait. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise ? Nos ennuis ne sont pas terminés. Donc on va devoir aller là-bas, pour ensuite trouver la toile du milieu, je suppose. Et il va sûrement se passer quelque chose à cet endroit là-bas. Je connais cette côte. Ranrok a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grotalo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite. On devrait attendre. Pourquoi ? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrok. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc ? Quelqu'un qui connaît Ranrok personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin ? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont pas... Tous les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Tu l'as oublié aussi ? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Ton oncle avait peut-être raison à ton sujet. Tu ne sais pas quand t'arrêter. Oh, je sais très bien quand m'arrêter. Je n'en reviens pas. Première fois qu'on lui dit pas quelque chose, il est pas content, hein. D'habitude, on lui dit toujours tout à Sébastien. Sors d'où ce coffre ? Ah, il est déjà ouvert. Et pour une fois qu'on lui a pas dit, il est pas content. J'espère que le professeur... La prochaine amélioration de balai sera encore plus impressionnante que la dernière. Je vous attends un beau balai dès que possible. Ah, bah j'attendais ça justement, les améliorations de balai, parce que j'étais au max. Je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire, mais en fait, il fallait juste avancer dans les quêtes principales. Quand on regarde un petit peu... nos quêtes. Alors, trouver l'emplacement de la troisième épreuve. Aïe, 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 aïe. Je sais pas combien il y en a comme ça. Sûrement 4 ou 5. Mais c'est pas évident les épreuves, hein, franchement. Et je dois trouver son emplacement. Bah, je suppose que je dois la faire ensuite et retourner à la salle de la carte, quoi. Alors, du coup, le portrait du professeur Niam Fitzgerald est apparu dans la salle de la carte. Je devrais m'y rendre pour lui parler. Elle est apparue quand, elle ? On l'a vue ? Parce que ça me parle pas du tout. Et je me suis encore trompé de bouton. Alors, hop. Ici, la salle de la carte. On se retrouve là-bas. Parfait. Oups. Il y a 4 portraits, donc je suppose qu'il y a 4 épreuves. Ravi de vous revoir. Ah, on l'avait déjà vu, bah je m'en souviens plus de cette dame. Oups. Bonjour professeur, j'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur ? Oui. Je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien. Je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard.
Tiens, c'est intéressant ça. Dans Poudlard directement. Pourtant, quand on regarde la carte, à moins que c'est pas la tour justement entourée en bleu. Parce que là, on n'est pas vraiment dans Poudlard, hein, si c'est la tour entourée en bleu. Donc. Parler au professeur Fig dans son bureau. Parce que c'est lui qui va nous aider. Il semblerait que le gardien ait quelque chose de prévu pour moi. Où est-il? Carte. Encore une fois, je n'avais pas trouvé, mais il y avait directement une cheminée juste à côté. Je me disais bien qu'on était déjà venu plein de fois ici. Bon, c'est pas très grave, j'étais pas non plus très très loin. Oh pardon, je me suis juste évanoui dans votre bureau. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé ? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable! D'accord. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je connais Scrop, mais je ne sais pas s'il accepterait de me parler. Il est très loyal envers la famille Black. Il l'est. Il vous faudra un déguisement, et j'ai pile ce qu'il vous faut, du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre.